Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, moi je m'appelle Abrouka Outar, je viens de la team Rezag et j'ai gagné les championnats de France et maintenant je suis championne de France. Donc tu es contente alors? Oui, très très contente. Bonjour, Michael Flower, entraîneur d'Alexandra Chidrowski, senior classé moins de 48 kg. Aujourd'hui on vient de remporter la demi-finale, très beau combat. Merci à l'organisation AFMT de nous donner des événements comme aujourd'hui. On remercie aussi Sport & Perf qui nous aide au niveau de la préparation et le Revel Muay Thai. Et on remercie encore toute l'équipe et les organisateurs. Yes. Super. Un mot à dire, mademoiselle? Merci, merci à tous. Non, elle est émue. Ça marche. Alors bonjour, je m'appelle Sacha Jalil Venezuela. Je boxe au Star Boxing en moins de 103,5 kg. Je viens de gagner le championnat de France en moins de 103,5 amateur pour la FMT. Je voudrais remercier mes coachs, Dédé, Kers, Joe, qui sont là toute l'année pour nous. Et voilà, remercier aussi la FMT pour tout ce qu'ils font et qui font que la boxe avance. C'est grâce à eux aussi. Donc voilà, un grand merci à eux et voilà à tout le monde. Salut à tous, c'est Jimmy Vienno. Voilà, j'ai 23 ans, je suis 3 fois champion du monde de boxe thaï, champion du Lumpini actuel. Et je suis avec mon ami Sacha ici présent qui vient de gagner son titre national de France. Donc félicitations à lui, félicitations à toute la team. Et voilà, Star Boxing. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Adam Zilio, je viens du club Boxing Club Energy, Mazamé. Je viens à Mazamé. On vient de faire 8 heures de route pour venir au championnat national à FMT. J'ai perdu en demi-finale contre un adversaire bon, mais c'était serré, j'ai perdu, tant pis. Et pour la suite? Pour la suite, mais on va continuer les combats, on va s'entraîner, on va pas lâcher. Et on va espérer l'année prochaine de passer semi-pro en B. Sur quelle catégorie exactement? Moins 71, classé. 18. Un remerciement au coach, quoi. Ouais, je remercie mes entraîneurs Najem Zarkig et Aldin pour être venu m'accompagner et m'accompagner tout le temps, tous les entraînements tout le temps. Je m'améliore grâce à eux et j'irai loin grâce à eux. Merci. Et remerciement à... Et merci à la FMT de nous avoir accueillis. Ok, c'est bon. Alors, l'objectif de l'année, c'était de faire le doublé. Champion Île-de-France, championnat de France. Aujourd'hui, le doublé, il est fait. Un gros travail spécifique avec le coach. Moi et Awa, voilà, double champion. Île-de-France, France. Voilà. Et j'aimerais remercier à mes coachs d'avoir été là pour cette préparation. Et voilà, on a ramené des coupes à la maison. Trop fier. Voilà, et un gros merci à Abdel, coach. Voilà, gros travail. Voilà. Et une petite dédicace à la FMT. Grosse organisation, merci. Super. Bonjour à vous, je fais partie de la Naga Team, je suis venu avec mes enfants de Rennes. Donc Timéo qui a fait vice-champion de France et Luan qui a fait championne de France. Donc on est venu de Rennes, on a mis 4 heures ce matin et on a commencé par les peser, après les premiers assauts, deuxième, troisième, on a enchaîné. Et tout s'est bien passé, pas eu de soucis particuliers pour nous. Tu veux parler Luan? Bonjour à tous déjà. C'était une super organisation. C'est mon premier titre de championne de France. Bah, aujourd'hui, j'ai réalisé un de mes rêves parce que c'était un de mes rêves. Et voilà. Et merci à la FMT de nous avoir accueillis, la Naga Team. Toi, Timéo, tu dis je suis content. Moi, je suis content de participer au championnat de France. À FMT. À la FMT. Bonjour, je m'appelle Imran, j'ai 9 ans et j'ai gagné 3 combats et je les ai gagnés. Et je remercie la FMT et je remercie mes coachs Kader, Mourad, Ahmed. Tu es de quel club exactement? Colombe. Ouais. Tu connais son nom en club ou pas? Non. Hein? Deuxième Colombe. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans, j'ai boxé à l'AFMT, et j'ai fait 4 matchs,
3 victoires et une défaite. Et je fais partie de la team Rezag. Tu remercies ? Je remercie mes coachs Hussein et Bachir. Et voilà. Et la FMT. Bonjour à tous, je me présente Mike Pataya, moins de 63,5 kg, semi-pro classe B. Voilà, aujourd'hui on est au gymnase Max Roussy où ça se déroule les championnats éducatifs classe C, classe D. Voilà, hier j'ai disputé ma demi-finale championnat de France contre Noël Gomis, très bon adversaire. J'ai gagné par KO à la seconde reprise. Je voulais remercier mes coachs, la team K1 et Thai Boxing. Merci Anthony Laurent, Sébastien Laurent et Mohamed Croquet. Merci à eux d'être là toujours à mes combats. Et je voulais surtout remercier la FMT, Joe Prestia, qui toujours avant mes combats vient me voir et m'encourage un petit peu, me donne le petit mot pour avoir la niaque. Donc merci à Joe Prestia et on se donne le rendez-vous le 1er juin pour la finale du championnat de France classe B contre Corentin Le Gall. Hein ? Bien ? Sélectionneur national, grand monsieur. Oui, exact. C'est vrai. Tu peux le mentionner. Combien de titres as-tu ramené de Thaïlande, Jean-Pascal Brouissard ? 10 titres en Thaïlande. Bon, bonjour, je m'appelle Elouane, j'ai 14 ans. Là, aujourd'hui, j'ai participé au championnat de France minime moins de 52. Je représente le club de sa académie à Lutterbach, en Alsace. Et je suis content d'avoir gagné et que voilà. Ah oui, et je suis avec mon père qui m'a emmené à tous les entraînements et c'est aussi grâce à lui si je suis là. Ouais, très fier, il est dans un très bon club, la 2C Academy. Il y a vraiment, je crois on a ramené cette année 9 champions de France, ou 8, on ne sait plus trop. Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement des parents. Je tiens à préciser aussi que pour la FMT, on est vraiment super ravis de l'organisation, les horaires sont clairs. On sait à quel moment on passe sur le ring et l'arbitrage a quand même été de qualité en laissant travailler les petits comme il faut. Voilà, une super journée vraiment à tout point de vue. On est vraiment heureux. Bravo mon fils. Ah oui, je remercie mon coach aussi qui m'a entraîné. Il s'appelle Cédric Muller et il est 4 fois champion du monde. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. J'ai boxé à la FMT. J'ai boxé, j'ai quatre matchs, ouais. 3 victoires et une défaite. Et je fais partie de la team Rezag.
tu remercies? Je remercie mes coachs Hussein et Bachir. Et voilà. Et la FMT. Bonjour, je m'appelle Imran, j'ai 9 ans. J'ai gagné 3 combats et je les ai gagnés. Et je remercie à la AFMT. Et je remercie mon coach Kader, Mourad, Ahmed. Et. Voilà, donc tu es de quel club exactement? Je viens du club Colombe, du 2CM Colombe. Montre-nous ton diplôme. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Gabriel Gauquelin, je viens du club de Lisieux en Normandie. MTC. Le MTC Lisieux. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook MTC Lisieux. Qu'est-ce que vous faites passer? Je suis qualifié pour la finale de France. Minime. Moins de 42. Minime moins de 42. Comment? Tout à l'heure. Tout à l'heure. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Quart de demi-finale, demi-finale. Maintenant, on passe à la finale. À la finale, ouais. Voilà. On persévère. Alors, bonjour jeune homme. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Raphaël Riflor et je suis champion de France de boxe thaï. Bonjour, je m'appelle Gabriel Gauquelin, je suis vice-champion de France de boxe thaï. Alors vous tenez aujourd'hui, comment vous l'avez vécu? Bah c'est, ça va, c'est, mais c'était un peu compliqué le troisième round. Mais sinon ça allait. Bah j'étais un peu fatigué à la fin. T'as combattu contre... Oui. Ouais. Contre Gabriel. Le vice-champion de France. D'accord. Une journée intense. Très intense, ouais. Après plusieurs matchs. Vous êtes de quel club? MTC Lisieux, en Normandie. Et moi, je suis de la team Atabox à Chalon. Voilà. Vous êtes 30 ans de votre match? Ouais. Ouais, très contente de pouvoir boxer avec quelqu'un qui sait boxer correctement. Un dernier mot à dire? Bah merci, c'était une belle prestation, merci. Ouais. Toi aussi. Vos coachs, remerciements pour vos coachs? Bah moi je remercie mon coach de m'avoir entraîné pour ce championnat de France. Donc du coup c'est pour ça que je le remercie. Ouais, mes trois coachs qui sont toujours présents quand je fais des matchs, tout ça. Je les remercie pour cette année. Vous savez qui est-ce qui a organisé cette compétition? Moi non, je sais pas. Non, aucune idée. Si, c'est la FMT. C'est la FMT. Je pensais que c'était un prénom. Ouais, moi aussi j'allais dire un prénom, je savais pas. Comment tu es? Pas mal, franchement pas mal. Bon, bah, super. Donc là j'étais avec des jeunes extraordinaires. Hein. Ils ont combattu, ils ont gagné ou pas gagné, peu importe. Ce qui compte c'est de participer. Vraiment des futurs champions et génial. Voilà, donc je vous propose de bien suivre ces boxeurs qui sont le futur des futurs champions. Voilà, donc une dernière chose, est-ce que vous serez prêt à revenir pour les prochaines fois? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. T'es boxeur, toi? Oui. Bon, il a été mon assistant aujourd'hui, hein, comme caméraman. Hein? Oui. Tu viens d'où? De Chalon-Champagne, du même club que Raphaël à ta boxe. Très bien. En tout cas, félicitations à toi et à toi, bien sûr. À vous deux, vous trois même, parce que moi, sur le ring, non. Mais... vraiment, c'est un plaisir de les filmer, quoi. Voilà. Un petit mot pour la FMT, pour Job Prestia et son équipe. Bah, merci d'avoir organisé ce championnat de France. Ouais. Ouais, pareil. C'était un bon moment à passer. Et toi? Ouais, c'était trop bien. Et puis, merci à eux. Voilà, donc je vous propose de regarder ces images à travers Baroudeur Reporter, c'est ma chaîne YouTube, ou bien le site YouTube AFMT, où vous verrez toutes les vidéos. Voilà. Un dernier mot, une dernière chose à dire? Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, bon, on fait une petite photo. Voilà, un petit coucou. Merci à l'animateur. Voilà.